Très très heureux de pouvoir réaccueillir effectivement les familles, les parents après quelques années d'interruption. On a différents ateliers qui permettent aux familles, aux parents avec leurs enfants de pouvoir alors ou pratiquer des petites activités de motricité fine, Montessori, avec des jeux de couleurs, ateliers de maquillage. On a également un stand de l'UNICEF. Et puis pour les familles, en ces temps d'inflation, c'est pratique. Vous avez aussi des vide-greniers petite enfance, voilà, où jeux, habits, voilà, peuvent être acquis à des prix tout à fait modiques. C'est pour faire découvrir plusieurs activités à ma fille pour qu'elle découvre et puis voit d'autres enfants et puis nous voir ce qui peut se faire aussi en tant que parents. C'est vrai qu'il y a aussi des choses qu'on voit que nous on peut faire même chez nous. C'est vrai qu'il y a des activités en soi qui sont assez simples à refaire chez soi, donc ça peut aussi donner des idées pour l'occuper le week-end. Les parents se rencontrent et puis c'est vrai que les enfants accueillis dans nos crèches sont des enfants qui sont en lien. Et quand ils arrivent ici, les parents ne savent pas forcément qui est qui. Et du coup, ça met aussi les parents en lien. Et puis ça permet aux parents aussi d'avoir accès à un nombre très important d'informations. J'ai fait ça. Ça, le bois, et après on allait là-bas, j'ai joué avec les jeux là-bas, et après ils m'ont fait maquiller, et après on est au pistacle, et après on est revenu ici.